Salut les copains de la glisse. Aujourd'hui, Willows vous présente sa prochaine petite aventure. Son petit pèlerinage, le trajet de l'île à la mer en gyro-roue sur un week-end. Nous avons notre petit trajet adoré franco-belge. L'épisode 1 de ce mini road trip s'est déroulé en mai 2018. Un galop d'essai afin de nous préparer à notre premier road trip prévu le même été. Au total, avec une centaine de kilomètres entre chemins de halage, voies vertes et points neufs, bref, des étoiles plein les yeux. Parcouru à l'époque avec une Gotway M Super 3 et une Kingsong 16B. L'autonomie de la Kingsong était un peu juste pour allier la première étape, d'une cinquantaine de kilomètres. C'est ici que nous avons découvert les galères et souvenirs de premier road trip. Alors on se débrouille comme on peut, on se cherche une prise, de quoi prendre quelques water pour finir les derniers kilomètres avant la fin de l'étape. Le Graal est un teint de nuit. Nous avons pu profiter d'une belle arrivée sur la plage de Bredune vers 22h grâce à une autre pause recharge. Contemplation, satisfaction de notre objectif atteint. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, vous vous doutez. L'année suivante, nous sommes repartis pour l'épisode 2, en août 2019. Des copains wheelers souhaitaient participer, et c'est ainsi que nous avions Vincent en GT16 et Olivier en Kingsong 18XL. De notre côté, nous étions passés sur nos tripeuses des M Super X de 1600 watts. Nous sommes de nouveau passés par la Belgique pour allier Bredune, notre chemin de Compostelle. Une arrivée assez tard dans la journée, après plus de 100 km de plaisir entre amis. Petit repas sur la digue, puis direction le bivouac. Un épisode 3 ? Bien sûr, un pèlerinage, c'est régulier. Du fait, on remet cela cette année. Quand il y a un tome 1, on a un tome 2. Et ce week-end, on va rider le tome 3. Suivez nos aventures sur YouTube et Instagram pour découvrir comment se déroulera ce nouveau mini road trip. D'ici là, amusez-vous et ridez safe, évadez-vous avec Willows.